On va faire ça dans cette troisième partie de l'âge, bien sûr. Hop, on va continuer nos opérations, essayer de récupérer Sir Daniel, le projet de pièce en main. Enfin, la recherche pièce en main, c'est ça qu'il faut qu'on fasse aussi. Voilà, hop, ça c'est fait. Par contre, moi, il y a un petit truc qui me dérange, c'est que quand ils sortent, les espions, les enquêteurs, bah, ils ont déjà leurs armes. Ça m'emmerde un peu. You messed up big time. To land yourself in cemetery site. Et elle doit être en bas, c'est ça? Oh putain, j'ai deux super agents en même temps. Ivan, viens aider parce qu'on a un souci là. Ah, ça c'est un bug de collision, sérieux. Vite, bazooka. Alors, tu es Célestin le Bleu. Ok. On va l'attirer. On va attirer Célestin dans la base. Ouais, viens te soigner, toi. Dans le coin, c'est un bleu, pardon, je dis. Des détails vestimentaires douteux. Jouba y a récupéré. Ah. Se débarrasser des corps de sbire, ça c'est bon. Tuer soldat du mât, du smash, non, retire. Machine à sur du hammer et du sabre, on retire. Le bar restaurant, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Les enquêteurs, on s'en fout. Terminer un repérage, pas pour le moment. Un saboteur inconditionné, c'est niet. Allez, on y est presque. On arrive au bout du générateur à fusion. On va essayer d'aller chercher ce Célestin de bleu. Oh, attends, quoi? Il est où, là? Vous n'allez pas me dire que vous allez laisser filer. Oh, Célestin le bleu, ok. Alors là, j'aimerais bien qu'il y en ait qui se prennent le piège. Là. On tue. Et lui. On va annuler le truc. Interrogation success. An agent has given us their secrets. Oh putain, il est en train de tout déjouer. Oh la vache. Bon. A criminal network has too much heat and has locked. Alors toi, il est où? Hi. Alors tu sais quoi? I'm the intruder. Bring me a real challenge.
I'm listening. Your minions are in combat. Il est où, Célestien? Are they even trying? Research has been paused. No. I'm not even enjoying this. They will fall before they know what hit them. Alors où est-ce qu'il est, Célestien? Minions, find and kill Blue Saint. No. Focus. The luchador cannot. Voilà. Olga Tomic dans la base, il faut qu'on l'attire. Elle est où? Elle est au Japon. Alors 45, 56. On va baisser un peu la tension. Gatomi qui est redoutable, mais il lui tente de faire connaître l'humiliation de la défaite et de quoi de plus honteux de perdre face à Sir Daniel Barr. Ok. Research has been paused. Allez. Olga Tomic, c'est la prochaine. Voilà. Là, j'ai un réseau niveau 3. On va aller chercher 120 000 ici. Ouais, par contre, les indices, ça tombe bas. Training resumed. Et dans 3%, 2% d'un générateur à fusion. Donc là, on sera bien niveau électricité. What next? I'll be back. Voilà, hop. Fournit une grande quantité d'énergie à la base et il est équipé de microprocesseurs. Ouais. 274 000, donc plus que moins de 10 000. Allez, on va y arriver. On y est presque. Non, c'est pas ça. Vite. Allez, on lance la recherche à 275 000 dollars, mesdames et messieurs. 275 000 dollars. Oh là. What do you ask of Jubei? Fear, rage and death. I live to serve. Fear me! Oh putain. I want that intruder found and killed. Oh là 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 là, on n'a pas de peau quand même. Oh oh. Est-ce que c'est Jolga Tomic? Attends, quoi? Ijubei. Oh la vache! Your minions are in. Hein? A wise choice. Oh non, 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 non. Ils sont où là? Your broadcast strength has run out. Vite, tuez-les. Before they know what hit them. With deadly a punch. Il y a Olga Tomic qui arrive en prime. C'est pour ça que je déteste avoir deux sbires à la fois, deux super trucs à la fois sur le dos. This is mobilization. I came here to find a real challenge. Will you give it to me or not? I must break you. Ça, c'est là. Ça me rappelle la réplique avec Ivan Drago, là. I must break you. Ouf. Bon, en bas, ça se passe comment? Ah oui.
Build more generators. Vous ferez mieux de tout réparer, là on va en avoir besoin. Alors, on va déjà faire ça. Plus d'éléments. Ah oui, c'est vrai, on a plus assez de place. Et ça coûte, ça prend de la place, un générateur nucléaire. Ouf, ouais. Ouais, bon, je le sais. Laisse-moi au moins réparer ce que je dois faire. 36, allez, let's go. Ils sont énormes, mais on est assuré au moins. Peut-être que je vais réfléchir aussi pour faire des un truc d'incinérateur là. Ouf, bien joué. Là maintenant il faut attirer la folle du marteau là. Speak your mind. C'est plutôt cool. Par contre, cette salle de formation derrière, je vais la garder quand même. Je me dis qu'elle servira peut-être pour les deux derniers types de sbires qui nous manqueraient. J'hésitais à la péter, mais je pense que c'est pas un bon plan. Ouais, là, ça passe, c'est bien. Est-ce qu'il y a des sbires dans le coin? Non. Ah oui, je l'ai pas pété, ça c'est pour ça. Voilà. Alors, la folle du marteau, elle est où? Elle, on va la tirer. Là, je peux pas le faire, malheureusement. 3 domestiques, ça va. Training 120 000, je prends. Alors 62, 45 non. 45 non plus. Et si on l'attire, on se met bien. Alors là, on a personne. On va en profiter pour piquer 20 000. Alors, 50 000, 50 000, allez hop, let's go. Bon, ça va, au niveau de toxicité, on est large. You've left me a real fixer up a big brain. Allez, Jubai. I live to serve. Capture-le. Ok, elle arrive avec 2 saboteurs. 4 saboteurs. Ok, il y a du people. Speak your mind. Move it. Alors, attends. Anya? Like the wind! Wrecking, there is intruder. Hi. Yes? Consider it done. I'm listening. Je le chi, il vise ton chi. Voilà. Oh, il reste John Steele maintenant à tirer. Que s'est passé quand une force terrible menée rentre en contact avec casque inébranlable, confronta le chasseur à l'espion pour savoir. Bon, bah, c'est parti, hein. John Steele outil. Voilà.
Hop. A scheme has succeeded. Come with me, Smith. Your henchman is in combat. Alors on va vendre et on va remettre un autre générateur ici, un quatrième. An agent has been subdued and captured. Hop, 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 toi viens là. Ah bah, tu tombes à point pour l'interrogatoire, félicitations. Ouais, ça va le faire. Un interrogatoire a été fructueux, excellent. Faites comme un entraînement, agent Steel. Alors je vais te soigner vite fait, on va surveiller d'où il vient l'agent Steel. Oh, il regagne vite ses PV de Joe. Lui, c'est notre arme de destruction massive contre les agents. L'obtention des pièces du Havoc ne sera pas suffisante. Vous allez devoir apprendre à les utiliser. Ordonnez à vos chercheurs d'utiliser les schémas afin que l'installation découle sans encombre. Creusez une entrée au niveau intermédiaire. Oh, tu parles de ça. Bon, facile. Allez, let's go. C'est pas plus compliqué les objectifs. Ok, exécuter un karatéka avec Ivan. Alors, toi, on va. General, our heist team has set the next part of Havoc. The heist was a success. Général, notre équipe a envoyé la pièce suivante du Havoc. Le casse a été un succès. Good, good. Tell me of the casualty. Excellent, parlez-moi un peu des victimes. No casualties, General. The team got in and out without the learning saber at all. Aucune victime, mon général. L'équipe a accompli la mission sans alerter le sabre et y rester caché. Too bad if they did this without killing. I did not train them enough. Maybe I should kill one as lesson. Dommage. S'ils n'ont tué personne, c'est que je ne les ai pas assez bien formés. Je devrais peut-être en tuer un pour montrer l'exemple. Well, it can wait until they build me. Pas grave, ça peut attendre qu'ils aient fini de me construire ma machine de guerre. Your minions are in combat. Ok. Donc on doit voler du carburant. Ça c'est ok, c'est un objectif facile. Find that intruder and kill them. Je ne peux pas oublier l'agent Steel. Ça m'ennuie un peu ça. Mes prisonniers, c'est vrai. Bon, je les ai vus. Faut que j'y retourne. Alors. Toi, tu vas passer là. Alors. An interrogation has succeeded. Ah bah il est là l'agent Steel, Jen Steel, lol. Oh punaise, là attention.
là. A scheme has succeeded. On récupère 10 indices ici. Alors attends, où est-ce qu'elle peut être? A trap has been triggered. All this violence, it's quite upsetting. Voilà. Bon bah l'agent Steel il est en train d'y passer, j'avais pas vu passer. Vous avez maintenant un atout de plus dans votre jeu, un excellent dénouement, surtout pour vous. Accéder aux objectifs. Vous avez dompté Sir Daniel, mais la chasse n'est jamais terminée, si vous exploitez ce talent, il suffit de dessiner une nouvelle proie. Oh, smashing, an absolutely smashing hunt. If this keeps up, oh, I'm with you, till the end. Sapristi, cette partie de chasse était absolument magistrale. Si ça continue comme ça, je restais longtemps à vos côtés. I'm not sure how I feel about not killing them. Je ne sais pas trop si ça me plaît qu'ils n'aient pas été tués. Nonsense. They'll come back stronger and you'll be stronger to hunt them again. Win-win. Aucune importance, ils reviendront plus forts, mais vous aussi, vous avez gagné en puissance. Tout le monde y gagne. It's a win when they're dead too. Vous savez, j'y gagne aussi quand ils sont morts. The hunt truly never ends. And to show you my appreciation, please accept this gift. La chasse n'est jamais vraiment terminée. Veuillez accepter ce cadeau en gage de ma gratitude. Indeed. Alors, oh, il peut se camoufler, ça c'est bien. Il peut même mettre des pièges. Ah, ça c'est marrant ça. Il a un petit côté Van Pelt dans Jumanji avec Robin Williams. Mais il me fait penser aussi dans Tarzan à Clayton un peu. Il a un petit côté là qui me rappelle de ça. I'm listening. Là ça fait que j'ai 4 hommes de main. Alors, plan annexe, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? Des vertes et des parures, allez, faisons ça. Side story begun. Termine la recherche, tout ski boy. Ça va me coûter combien ça? Ah, c'est précis. 87 844 dollars, punaise. On va se replier là, on va aller faire du casse là dans le monde. Alors 54 et 45, 99, ça passe. Par là c'est toujours en cours. Allez, 5, non on va éviter, j'ai pas vu, je l'avais pas vu ça. Réinitialisation de la tension. Il faut aussi que je vole du ça là. Ah, une fois un truc au niveau de. Bon, on va le faire tout de suite. On va essayer de voler du carburant là où on peut. Alors là-bas, ça se passe comment? Pas grand-chose. Bon, ici pour le moment on est tranquille, il n'y a personne, on va en profiter. Donc là c'est good. 305 000 sur le long terme, c'est très bien.
Là, il n'y en a pas. Ouais, il y en a que là, mais bon. Je vais aller chercher quand même. Je perds peut-être beaucoup en renseignement, mais je pense que ça vaut le coup, quoi. Je vais peut-être mettre un ou deux scientifiques à chaque truc. J'en ai fait des recherches. Bon, ça c'est bien l'historique. Je trouve que c'est vraiment une bonne chose à ajouter au jeu, quoi. Ça marche le bout. Bonne soirée, bonne nuit et merci d'être passé à la prochaine. Ciao, ciao. On va le capturer. Et lui avec. De toute façon, là, j'ai arrêté d'ici une demi-heure. Moi, de toute façon, je pense avoir fait pas mal de trucs. Je suis plutôt content. Alors 45, on va en capturer là aussi. Let's go. Hop, on récupère 5000 ici. Ah bah on va tout de suite faire la tech. Voilà, 90, c'est plutôt correct. Projet tout ce qui brille en cours de recherche. Allez, let's go, Ivan. Donc c'est un scientifique, ça va, c'est ce qu'il y a de plus classique. Si on peut récupérer un peu de carburant pour le AVOC, ça serait cool. Par contre, elle va débarquer dans nos coffres. On va missir Daniel aussi parce que je pense qu'à lui peut faire un combo mortel. Dans le sens où l'un fait le corps à corps et l'autre tabasse. I'm here to tip the scales. What do you ask of Jubei? Like the wind! A trap! Let the games begin! Your goons did pretty well this time. Attention. Bring me focus. Sir Daniel, venez, on a besoin de vous. Kill the intruder! Kill the intruder! Ah, ils sont calmes, bah ouais, tu m'étonnes. A henchman is in danger. Rifle at the ready. Dégage de ton six coups, toi. Excellent. Bon, au moins, ça c'est fait, c'est calmé. Oh, on est à 9 de carburant. On va reprendre un peu, allez, let's go. Alors le hameau, tiens, ça donne quoi maintenant au niveau 2? Niveau 1. Oh, le canon est au niveau 2. Oh là là, oh ça me... Un filon dans les ombres semble très prometteur. Envoyez des géologues sur place pour qu'ils trouvent une gêne exceptionnelle. Ou de la cordillère des Andes, donc logiquement c'est cette région là. An agent has escaped captivity. Ah merde, je les ai encore zappés, fait chier. Your minions are in combat. An agent has been subdued and captured. Allez, un petit interrogatoire ici.
Est-ce que je pourrais faire un nouveau projet de recherche? En vrai, un lit de luxe, ça serait pas déconnant pour des sbires. Je sais ce que je vais faire, je sais où je vais mettre les lits de luxe. Oui, j'ai de l'argent à dépenser alors. Toi, on va te capturer aussi. Toi, avec. Ça tabasse bien. Hop, là c'est ok. Ça, le casino nous rapporte pas mal d'argent, ça c'est bien. Bon, j'attends toujours les deux derniers Gugus. Allez les gars. Allons-nous arriver à nos fins en récupérant cette fameuse... Dans 5 minutes on l'aura. Donc là ils sont deux, il y a Olga Tomic en Europe. Augmente temporairement le nombre de domestiques, de touristes à notre base plus 5, ça se prend pour les machines. Olga Tomic, on ne va pas la réinviter. Donc ok, le niveau, en fonction du niveau de l'arme de destruction massive, ça augmente le nombre de carburant apporté, d'accord. 45 et 45, ça fait 90. Donc là, je serai large. Faut bien penser au confort de nos petits sbires. Hein. On my way. Allez, travaillez. Plus vite vous travaillerez, mieux ce sera. Est-ce qu'on devrait peut-être pas agrandir un peu le réseau finalement? Ça se justifierait. Voilà. Allez, interrogatoire. Toi, on va te capturer. What do you ask of Jubei? Ok, ils vont arriver en masse, les super agents. On le note. On va les accueillir comme il se doit. On est en 34 minutes, ce sera bon, mais je pense que, à mon avis, ce sera pour samedi justement qu'on se retrouvera sur Vigenius 2. Empêcher la guerre d'éclater dans le monde encore? Bon bah ok. Hein. Ah, il y a un agent qui surveille ici. Là, il n'y a personne qui surveille. On va tenter de le faire pendant qu'il n'y ait personne, justement. Attends, deux secondes, je surveille mon... Allez, let's go. Hamlet, as you wish. They will fall before they know what hit them. Allez. Release. A hand
henchman. I shall speak your mind. Hmm? Oh, c'est bien, Jubei. Jubei, il est couvert. Your henchman is in combat. Je serai vite rétabli, je viendrai tout démolir quand tu veux. Tu seras bien dit. Yeah, that ain't happening. Elle, elle crève pas la conceptrice du Havoc, c'est un truc de fou. Vous allez voir que je mérite mon salaire. Research has been paused. Okay. I must rest my old bone. Fear me! Pour moi, ici, y a rien. Every little thing I do is magic. Incendio is listening. Mm-hmm. Oh, des soldats en plus. Oh putain. Allez, on s'enchaîne les méchants. Hein. Laissez tomber les gars, c'est... Il y a des périodes comme ça. Ils vont pas tarder à sortir les soldats, croyez-moi. Les soldats ont vite été ventilés. Ni l'une ni connue. Exécuter un scientifique. Alors, Ivan. Ivan, ok. Tu vois pas un scientifique ici, non. Bon, on va les laisser bosser là-dessus. Où sont les sbires scientifiques ici? On va se rendre là, tiens. Bon. Allez, Ivan, cours. On my way, a traitor in our ranks. Ça, c'est fait. 5000 de plus, je récupère. Le karatéka, il me faut en exécuter un. Oh merde, je crois qu'on a détruit nos extincteurs. On va tout de suite leur en repositionner un. Tadam! Ni vu ni connu, je ne sais pas de quoi vous parlez. Et karatéka exécuté. Hop. Ça c'est fait. Research has resumed. Allez, let's go ici, il n'y a plus personne, on va en profiter. Alors là, je suis à niveau 3, donc je suis à 69. Ah, y a quelqu'un là. Y a elle, putain. Training resumed. On va réduire la tension ici. Et j'ai envoyé quelques sbires repérés par-ci par-là pour empêcher la guerre d'éclater. Il me faut 5 karatéka. Oh. On va y arriver, on s'approche. Où ça? Il va me falloir deux autres Mercos. I'm thinking.
On va avoir tout ça petit à petit. Hein. Ça, on va le faire. Là, ça va être bon. Il me manque encore deux tueurs à gages. Mais bon, petit à petit, ça va passer. Alors, nouveau objectif disponible. Voilà, 3000 de plus. On est déjà à 2 sur 5, c'est bien. Peut-être que je vais renforcer l'entraînement militaire. Peut-être effectivement un truc. Ah non, j'aurai pas assez d'énergie. Merde, si je le fais, je suis dans le caca. Par contre, l'élite luxe, ça c'est fait. Alors, on va partir sur quoi ? Ouais. On fait des recherches, on en profite. Voilà. Comme ça, on remplace tous nos générateurs. Par contre, je crois que je vais peut-être penser à agrandir un peu la salle. Ouais, on va augmenter un peu la salle ici. I'll capture them myself. Prepare for power. Bon, ça c'est bon. Ouais, là c'est bien, c'est bien. Allez. Ah, c'était verrouillé, dommage. Donc on sera à 3 sur 5, 4 sur 5. Allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. On va aller le faire tout de suite, au moins on sera tranquille. Bon, dans 7 minutes ici, c'est terminé. Ah là là. A criminal network has too much heat and has locked down. Allez, nous guette. Hein. On manque de tueurs à gage. Tu sais quoi, j'ai formé un truc de karatéka ici en attendant. Et tueurs à gage comme ça. Research has been paused. Par contre, on n'aura plus assez d'électricité, je suis en train de m'en rendre compte. Dommage, il ne manque qu'une case juste pour bâtir un autre générateur, il y aurait eu de la place. C'est con ça. An agent has escaped captivity. Come with me if you want to live for a few more minutes. Training has stopped. Stick around. Bon. The heat at a criminal network has attracted the forces of justice. Voilà. Something is wrong with either the minions or the training room, boss.
Training has stalled. Mm-hmm. Tu sais quoi, je vais améliorer le réseau ici après. Bon, ok, là c'est bon. Je vais juste le détruire. Merci. Et merci du raid, Jack. J'espère que tu vas bien et que tes viewers aussi. Je vais encore faire une petite dizaine de minutes. Bienvenue à tous. On continue d'avancer dans notre domination du monde avec notre arme de destruction massive qui commence à ressembler à quelque chose. Bienvenue à toi, Jack. Bienvenue à tes viewers. J'espère que tout va bien pour toi. Oh non, pas le catcher. Est-ce la merde et le catcher et est-ce la cassa? Il est où ce catcher? Chopez-le, chopez-le. Bon. Cherchez-moi le catcher, s'il vous plaît. On fait de l'interrogatoire. Oh putain, ils sont nombreux. Ils sont 5. Here I come. What do you ask of Jube? No, you do it. Non, faites-le vous-même. Donc là, on est en train. An interrogation. Alors, où sont-ils? Alors, on va sortir de Sikudeli. On va tenter d'éliminer ces saboteurs les uns après les autres. Oh putain, il y a l'autre qui est derrière moi. Au bazooka, allez, on l'atomise. Le catcher, il va faire des churros ailleurs. Merci. Allez, Jubei, le samouraï qui vient aider. Concentration avec le chi. Et ben voilà. Évaluation, menace. Non présente. Allez, Ivan, tu vas retourner au repos. Donc là, on a cette salle de formation militaire là qui nous aide bien pour les sbires. Là, on pour le sbire militaire. Ah, la recherche de jeux vidéo était suspendue. Tiens donc. Ça m'étonne des biologistes, hein, tout ça. Toutes ces feignasses là, hein. Qui croient en la vie, tout le tralala. Il nous manque encore un tueur à gage, sérieux. Deux tueurs à gage, trois. Ils en recrutent pas. Ah oui, c'est le mercenaire. Ça, c'est bien. J'aime bien les animations d'entraînement dans les Vigilantes. C'est tellement marrant. Ouf. Allez, on recommence. Hop, hop, hop. Il faut enlever les femmes de ménage et les torturer avec un œuf amateur. On sent quelqu'un qui a joué. On sent Titu qui a joué au premier Vilchenus. Ça peut plus se faire, malheureusement. Plus de sbires, plus de bassins à requins. Plus de sbires. Alors, les bassins à requins, ça va venir, Titu. Pas pour tout de suite encore, mais dans un futur, ça va être marrant. Surtout si on peut combiner des pièges entre eux. Alors là, je suis en train de rechercher. Alors, on va voir un peu la différence avec les lits de luxe. En vrai, ouais, ils sont. C'est des lits uniques. Surtout que là, je pourrais agrandir ma base à l'étage si je veux. Eh ben, viens, je vais l'agrandir ma base là. On va mettre une nouvelle caserne. On va essayer de voir large. Allez, on va retourner dans le monde. Salut Major Marco, bienvenue à toi. Comment vas-tu? Il nous manque des karatékas. Ouh la vache, ouais, j'avais pas vu ça effectivement.
Ah ouais, ce joue Atomic Rouge et il est que niveau 2. Mon cher Tito et les chers amis. Et je vous laisse imaginer s'il peut monter niveau 3 ce joujou. Bon là on a plus assez de pognon. J'ai envoyé 3 ouvriers ici pour calmer un peu le jeu. Ouais c'est ça Jack, bah là c'est la campagne justement. Tu as 4 Evil Genius, chacun ont leur propre façon de conquérir le monde. Alors lui par exemple mon général, alors attends, oui, je vais te le trouver. Ivan le Rouge. Lui en gros lui il veut cramer le monde. Voilà. Il y en a un autre, il y a 4 méchants. Donc tu as Ivan le Rouge ici, tu as comment il s'appelle, le Maximilien qui ressemble un peu au Docteur d'Enfer dans Austin Powers. Lui il a un truc spécial avec l'or. Zalika je crois que c'est un truc scientifique. Et Emma, c'est une espionne, mais je sais plus c'est quoi sa fin exactement. Par contre, faudrait peut-être les buter, je sais pas. Jubai. Je suis pas d'accord pour que le tir Maximilien c'est le meilleur, mais bon, pourquoi pas. Moi, pour moi, le meilleur, ça reste Ivan avec son bazooka. Sinon, je l'aurais pas choisi. Après, chacun sa. Mais je pense qu'à mon avis, dans le futur du jeu, ils vont rajouter des Evil Genius. Peut-être revoir les deux autres Evil Genius du 1, ça pourrait être marrant. Parce que le seul Evil Genius rescapé du premier, c'est Maximilian. Ouais, il n'y a plus Shenyu, il n'y a plus Alexis. C'était une femme, pourrie jusqu'à l'os, une vraie. Elle, c'était l'argent pourri gâté, hein, laisse tomber. Donc là, on va essayer de choper ici. Oh. Non, on va éviter. On va le faire tout de suite là, aller chercher ce truc d'empêcher la guerre. Et le catcher, il nous surveille toujours. Hein. Ah, il nous faut un réseau niveau 3 ici. Mais bon, on va le faire tout de suite. Let's go. Comme ça, ce sera préparé. Et avant, ce que j'aime bien avec ce système de recherche et de conquête du monde, c'est qu'avant, c'était des sbires, c'était des pions sur le premier opus. C'était bien, mais sans plus, quoi. Après, là je trouve qu'il est bien, tu perds tes sbires, ils se reforment tout de suite, c'est plutôt cool quoi. Ça fait un petit peu un turnover dans la base quoi. 97%, on va terminer la recherche des jeux vidéo et je pense qu'on va s'arrêter là. Au moins ça sera une bonne fin de live. Allez mon grand, vas-y. Le monde te regarde, les viewers te regardent, termine ta recherche sur les jeux vidéo. Research has been paused. T'es sérieux là de me faire un coup comme ça? Comment il s'appelle? Oscar Leonardi. Quelle honte. J'ai honte de voir ça quoi. À moins qu'on fasse bouger Ivan. Allez viens Ivan. L'homme de main super costaud, c'est-à-dire. Est-ce que c'était celui qui avait un peu détenu. C'était un guerre. C'était un homme, je crois. Je crois savoir duquel tu parles, c'était celui avec sa cape rouge et un homme noir, ou tu parles d'Ivan et de son bazooka qui est devenu Evil Genius. Je vois de qui tu parles, hein. Je me souviens à peu près du gabarit du mec. Je crois que c'était un homme qui venait d'Afrique, mais je sais plus quoi. Allez, jeu vidéo terminé, boum. Alors, est-ce qu'on va. Et ici, tu sais quoi? On va faire une caserne de luxe en haut. Qui veut son lit de luxe? Approchez, mesdames et messieurs. Ouais, les textures, bah après Titou, le premier opus est sorti il y a 17 ans, je te rappelle. Bon, on va déjà mettre 20 lits pour cette caserne de luxe. Bon, ça sera le début, comme ça, là, il y en a qui vont dormir à l'étage, peut-être. Oula. Tuer. Je pense qu'aussi en haut, je ferai peut-être un
une chambre forte supplémentaire. Ma chambre forte, elle peut monter à 512 000 $. Et sachant que sur le jeu, je l'avais dit avant que vous arriviez à notre joueur, il y a un succès Steam sur le jeu pour monter sa trésorerie totale à 1 milliard $. C'est long, mais ça peut être marrant de le faire, quoi. I'm listening. Time to earth. As you wish. Voilà. Lui, il peut se téléporter, c'est le truc vraiment fumé. Donc c'est vraiment pratique pour intervenir où il y a des patates chaudes à gérer, si vous voyez ce que je veux dire. Après, il me reste plus qu'un truc à faire là, sérieux? Bon, on va le faire le dernier truc, comme ça on aura avancé dans l'opération Abuja. Et il nous faut 10 karatéka ici. Ouf. Ça fait beaucoup 10 karatéka, monsieur. Ah, c'est un... le cheval de Troie. Ah, bah en fait, c'était un butin volé sur la carte du monde. Je sais pas si tu te rappelles du système de butin, Titou. J'ai aussi eu un cochon volant, un cheval de Troie, une flamme de l'Olympe, de Prométhée, pardon. Bah, c'est la flamme de l'Olympe aussi, d'un certain point de vue. Qu'est-ce que j'ai encore eu? Ah oui, avec Ivan, j'ai eu son ours qui est un butin. L'ours apprivoisé par Ivan le Rouge pendant son enfance. J'ai aussi un sarcophage. Tu vois, des petits trucs comme ça, quoi. Mais tiens, je crois que je suis en train de faire une quête pour un butin, mais je sais plus c'est laquelle, attends. Alors, former des scientifiques, je prends. Exécuter un garde avec Ivan, on va le faire tout de suite pour le pognon. Et juste pour voir. Là. Eh, il y en a qui dorment à l'étage, c'est bien ça. Eh bah, tu sais quoi, Ivan, on va l'envoyer à l'étage. Allez, let's go. Les escaliers. Oh putain, ils me font trop chier, ces cons. Allez, feignant, lève-toi. Tu vas payer pour ton insolence. Merci. Optional objective complete. Voilà. Il était désintégré, celui-là. Au moins, tu punis pour l'exemple. Là, on a... à chaque sbire, il pourrait avoir son propre lit, quoi. C'est marrant, ça. Bon, c'est que le début, bien sûr. Hein. D'ici cet étage, il y a plein de trucs. Il y a du potentiel. On verra ça plus tard. Alors, est-ce que... Ivan, tu vas redescendre en bas à ton sanctuaire. Ah non, y a... alors, Joe Bayouté. Coucou. Allez. En plus là il est en mode Thor avec son bâton. Allez, encore un moins. Par contre le problème c'est qu'il fout en l'air tous mes pièges hein. Alors attends, est-ce que je pourrais pas faire un truc du mur? Non. C'est quoi, je fous deux gangbox là, je vais être sadique. Voilà. Ok, donc il nous faut encore combien? 2 minutes. Allez, on va terminer ça là. Je vais terminer cet objectif là, je vais m'arrêter là, j'ai poussé un petit peu, ça me va. Ah ouais, je suis bien au niveau égertique, c'est normal Titou, parce qu'en fait, je vais te montrer. Bon, j'ai encore de la marge, mais j'ai réussi à avoir les générateurs à fusion nucléaire. Qui sont les générateurs maximum niveau électricité. Et je te laisse imaginer donc le potentiel que j'ai dans cette salle déjà. Si je... J'ai tout remplacé petit à petit bien sûr. Mais ça promet d'être pas mal quoi. Oh, il y a eu un carnage ici. Task complete. Tâche terminée. Exécuter un sbire? Bah, let's go, hein. We will crush them. Bah, tu reviens là, toi.
pour l'exemple. Le Havoc est plus puissant que jamais, vous avez enfin assez d'ammo pour raser tout un continent. Le moment est enfin venu pour nous de prendre part à ce conflit mondial. Eh bon, on termine sur une bonne fin. On récupère 30 000, 5 gardes, 5 mercenaires, 15 indices. Havoc is ready. The world's nations are on the brink of war. At last, I can take my place beside them. Le Havoc est prêt, les nations du monde sont à deux doigts d'entrer en guerre. Je peux enfin prendre place à leur côté. General, what if we let them fight each other? Then we would only have to fight the survivors. Général, pourquoi ne pas les laisser se battre? Nous n'aurions plus qu'à affronter les survivants. In my preparations for this war, I made a smaller version of Havoc. Do you want to see how it works? En me préparant pour cette guerre, j'ai créé une version plus petite du Havoc. Vous voulez que je vous montre comment il fonctionne? Non, mon général. Good. All these nations took Ivania from me, so I will spare none of them from my red wrath. Très bien, toutes ces nations m'ont enlevé l'Ivania. Aucune d'entre elles n'échappera à ma colère rouge. I will stop you or kill you. Alors, heure de gloire. Donc, on devra faire un discours depuis notre bureau, donc ça sera facile à faire. Neutraliser Olga Atomic, ça c'est une super agente. Ouais, c'est vraiment cool par rapport au premier opus qui était un peu plat de ce côté au niveau de narration, mais là je trouve que c'est cool. Déclencher l'arme du jugement dernier deux fois, bon, ok, mais faudra faire gaffe à pas foutre le feu à la moitié de la base. Donc, hein, je dis ça, je dis rien, mais. Donc là, le Havoc il est niveau 1 ici. Ici, il est niveau 2. On va envoyer des piles sévères samedi, comme je reviens sur Indigenous